yo lité pour yo casser chaîne, yo té goumé contre pharaon, nous même paysans haïtiens qui pas qu'on lisse ça yo dit. On récolte diri c'est pas dé, ni c'est pas toi mais le papiti. Six mille mouno qui gagne l'argent, malgré tout le vieux amour, yo joint chaque fois et il est nous voulait changer ça. Pas vrai dit, un yé a dit, devant yon pepo, les jours voulait ça changer. L'an mal est mié, faut me sortir là, pas ta fia koudia, ni candidat, kapou et tem là. La vie pour changer à Dieu, pour aller mieux, c'est pour me revendiquer. Sous chaque 5000 intellectuels, 4900 comme au kiel, un bantioul qui s'en règle sans fiel. Y oublie si pep c'est celle fausse, fait messe pour Américain entrer, vin prend pays, merci mouché. Contrebande plus la charité, c'est pour ça que sans figue c'est vrai, sans l'honnêteté, sans la dignité, nous trouvons ça bien malheureux. Pour un bon monde qui cultive, qui a l'école qui qu'on a baissé, colonne vertébrale yo plié, ak yon koui côté yo passé. Six mille mouno qui gen l'argent, malgré tout le vieux amour, yo jouen chaque fois et il est nous voulons changer ça. Pas vle dit, un yé a dit, devant yon pepo, les jours voulons ça changer. L'an mal est mié, faut me sortir là. Pas ta fia koudia, ni candidat, kapou et tem là. La vie pour changer a dit, pour aller mié. C'est pour me revendiquer. La rivière mauvais c'est malais. Il n'y a pas sa fête là en mer. Pour nous ça son bagaille qui clair. Pour les hommes ça c'est belle parole. Si tout l'ol voulait jouer un gros rôle, ça bon chanter que au signol. L'a toujours parlé de l'union. Quand elle t'a envie président, descendre quand on en belle machine, baille l'argent pour des coups de vaccine. Vieux frère pas prendre la manigance, c'est ça y aurait la trompance. Quitter vicieux en Port-au-Prince, toujours vendre tête yo pour rien. Six mille mouno qui gagne l'argent, malgré tout le vieux amour, yo joint chaque fois et il est nous voulons changer ça. Pas vrai dit, un yé a dit, devant yon pepo, les jours vle sa changer. L'an mal est mié, faut me sortir là. Pas ta fia koudia, ni candidat, kapou et tem là. La vie pour changer a dit, pour aller mié, c'est pour me revendiquer. L'an mal est mié, faut me sortir là. Pas ta fia koudia, ni candidat, kapou et tem là. La vie pour changer a dit, pour aller mié, c'est pour me revendiquer. Bon après-midi, c'est un geste. Comment ça t'a
Okay, est-ce que micro à l'ouvrir là? Oui, il est ouvert. Attendez. On est technique, comment nous y est? Et chargé d'affaires Haïti, alors américain en Haïti, et bien, nous pouvons aller, on t'y parler, pas en pile temps, pendant 10 minutes, et par rapport à la question, yo. Et ça qui a passé dans le pays, hein, nous avec lui, et il est déjà là, il parle créole. Li parle français, li parle anglais. Donc, nous pas regarder. Et ensemble, nous connaissons pile monde qui t'a aimé et interview ça parce que j'en voulais. Mais nous pas faire ça, nous capables, ni moi-même, ni ambassadeur, nous qui j'en ai satisfait. Comment vous êtes? Comme là, nous y est. Nous n'a pas suivi l'événement près. Et très content d'être là avec vous et tout le monde qui a suivi notre petit palais ici là. Très content d'être là avec vous. Pour qui ça, Américain a cherché Africain pour aider Haïti dans le problème hier, alors que Américain gagne des vices, y a gagné ancien Marines, y a gagné tout. Force nécessaire pour t'aider nous et pour qu'ils aillent aller juste en Afrique. Je connais que pour nous Américains ça y est, perspective est que nous réagis à la déclaration faite par les Nations Unies, Nations Unies 26-99 si je rappelle bien, cap appelé à monde les partenaires, les pays amis d'Haïti. Pour assister dans circonstances ça qui demande une assistance internationale. Alors, nous voulons jouer un rôle unilatéral. Nous voulons participer à votre communauté internationale. Nous, pas simplement nous, mais plusieurs pays amis ont discuté entre eux à voir qui était prêt pour prendre le rôle de leadership. Et nous très contents que le Kenya a décidé qu'elle voulait faire ça. Outaoué dans la circonstance que la semaine dernière, il y avait le cours, pas le cours suprême, mais un cours dans le niveau intermédiaire, dans le système judiciaire kenyan qui a bloqué progrès ça. Immédiatement, le gouvernement kenyan il était dit qu'il pourrait faire demande à ce que décision soit adressée. Et NAP suit ça, NAP gagne confiance. Il y a le président kenyan il y a deux jours qui nous a signalé qu'en public, qu'ils pensent bien que les préparations se procèdent. Et alors, nous voulons voir une assistance internationale, des grands amis. Évidemment, nous sommes plus grands amis, mais plusieurs amis d'Haïti pour faire effort ça. Parce que nous ne voulons pas jouer un rôle unilatéral. Nous voulons être partie d'un comité international qui fait réponse à la demande nécessaire et légitime de peuple haïtien à avoir une assistance sur la sécurité. Mais ambassadeur, nous fait expérience déjà, nous gagnons et en pile mission qui vient en Haïti déjà dans le cadre de l'ONU et nous pas sorti à grand chose. Gagnons qui fait un an, gagnons qui fait plus de temps que ça.
a yon pa mache, pou ki sa nou vle son mission internasyonal, aloske gen mission ki pi facile et pi rapide pou nou regle problem. Pou ki sa nou fè chwa mission tout an, 200, plus ke 200 milyon dola Ameriken pou ap depanse aloske polis nasyonal la pa bezwen sa pou met sekurite an Haiti. Nap kwe ke situasyon li mande yon repons diferant ke pase. Nap travaye nou, gouvernement Ameriken et autres partenaires, pou asire ke sa sera diferant ke mission Sayo nou te wè dan pase. Et alors, mkat di a ou mèm, et moun kap nou koute, je dea ke, en effet, nap travaye directement avec les différents partenaires pour assurer réussite de mission ça, pour éviter problème ça yo que nous te wè nan passé nan mission qui te présenté, que tout le monde est bien au courant. Et c'est pour ça qu'ils ont chargé, les Nations Unies ont décidé de faire quelque chose différent, une mission différente que ce que nous te wè nan passé. L'administration courante des États-Unis ne veut pas faire des choses unilatéralement, nous veulent faire en partenariat, comme on a oué, nous t'es oué avec situation en Ukraine, comme nous oué en plusieurs situations autour du monde, que nous voulons pas jouer un rôle unilatéral. Nous voulons travailler avec partenaires SAIO et en particulier avec peuple haïtien pour avoir une solution haïtienne à travers les élections, bien sûr, mais avec la sécurité que mission sécurité pourrait fournir avec la PNH. Mais Kenya participé au Congo, yo participé dans l'autre pays qui en Afrique qui a un problème, yo pas réussi pour te rien et pays ça a demandé pour Kenya aller pour que ça nous croie que en Haïti li ka fon bagay pour que ça nous croie ça. MPK dit que nous t'es ôté, c'est pas un secret, nous t'es gagné une délégation kenyane qui t'est venue ici, que nous t'es montré réalité ça, et ils ont eu des entretiens avec le gouvernement haïtien, aussi bien que la PNH, avec les autres acteurs, et ils ont pris décision que yo kwe, que c'est dans le contexte ça que yo ka fait différence. Yo gagné en pile expérience. Comme vous avez signalé, je ne peux pas qualifier ça comme vous le dites que c'est jamais réussi. Je ne crois pas que ça c'est vrai. Mais en effet, situation est que Kenya est capable, mais c'est pas simplement Kenya. C'est bien sûr il y a aussi Antigua, Barbade, Bermuda, la France, aussi bien que la Jamaïque qui ont dit, et il y en a des autres pays qui vont assister aussi bien que nous-mêmes. Alors c'est pas simplement Kenya qui va assister. Et nous sommes très conscients. Et MK dit que les Kenyans eux-mêmes sont très conscients des problèmes qu'on a vus dans le passé. Et mais ambassadeur, ni moi ni vous, parce que vous, c'est un diplomate de carrière, où on est, j'en vais pas passer dans mon genre. Je dis à nous toutes clés que police nationale, l'armée d'Haïti, haïtien, si yo jwenn 200 milyon dola Ameriken ke Nations Unies ap mobilize a, yo ka met sekurite. Paske son Haiti wap viv, si m pran la kay ou pa ekzanm, ou tande bal kap tire. Ou donc ou kwe ke Haiti pa ka fèl pou kont li, se pou nan al chèche an Afrik, al chèche ti peyi. Pou ki sa m di ti peyi, m pa gen problèm avèk yo. Mwen panse se yo pou m al chèche ou met sekurite Haiti? Non, m pa kwe sa e ou pa kwe sa tou. Pas dit, l'intention de résolution et l'intention de MSS, là, c'est pas une question de remplacer la PNH ou de faire le travail des Haïtiens. C'est pour assister. C'est pour assister la PNH et les Haïtiens à régler leurs affaires, donner la sécurité nécessaire pour qu'on gagne la place et la circonstance pour avoir les élections libres et légitimes qui pourront donner enfin la transition finale qu'on a besoin pour Haïti, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'on ait une Haïti pour les Haïtiens, construite par les Haïtiens, avec des réussites à l'Haïtien. À maintes reprises, dans le passé, on a eu des interventions, des assistances internationales qui n'ont pas fait ça. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire cette fois-ci. Cette fois-ci, on veut être certain que nous gagnons une situation qui donne une solution à la Haïtienne, avec le soutien de la communauté internationale. Comme j'ai dit au commencement, on ne veut pas voir quelque chose d'unilatéral parce que ça n'a jamais réussi dans le passé. C'est pour ça qu'on veut travailler avec Haïtien Yo, avec la PNH, pour donner la sécurité qui donnera le contexte
pour avoir des élections nécessaires pour changer, avancer, comme l'administration courante à maintes reprises a dit qu'elle veut faire seulement faire la transition envers un gouvernement élu. Que nous, on est d'accord, il faut avoir des élections et je prends l'opportunité pour dire que tous les acteurs, soit politiques, soit économiques, soit la société civile, qu'ils prennent acte et ils se coopèrent pour arriver à une solution politique qui avance donc, les élections. Donc, parce que tous les partenaires vont pouvoir s'entendre. Donc, ça veut dire, Américain, l'administration américaine, Département d'État, nous croyons que et Ariel Henry a fait ça audio là. Vous pensez que c'est lui qui a fait? Nous n'avons nous pas gagné un candidat là-dedans, nous pas gagné un côté prise. On a le côté qu'on veut voir avancer des élections avec les différents acteurs qui sont sur place, y compris le gouvernement sur place sans doute, mais on n'a pas de côté là-dedans. C'est-à-dire, là, ce côté, pour nous, c'est l'avenir de Haïti. Et l'avenir de Haïti, c'est à travers des élections dans la sécurité que nous allons essayer de fournir. Et je ne vois pas la réalité, c'est que l'appel qui est là et le besoin qui est là. C'est manifeste que la réalité ne se règle pas d'elle-même. Bon, me pose une question directe. Qu'est-ce que fait Américain remet Haïti comme ça? Nous croyons que, en effet, nous avons une relation avec Haïti depuis son naissance. On a une grande partie des Haïtiens, et c'est, dans ma carrière de 36 ans, j'ai jamais vu de pareil bagaille. Situation est que chaque Haïtien, il a des relations aux États-Unis. Ils ont des proximités aux États-Unis qui est très, très profond. Et pour nous, la réalité, c'est que Haïti est capable d'être un grand partenaire très fiable dans la sub-région pour fournir une coopération valable pour avoir un avenir propice pour tous les deux pays d'avoir une Haïti à laquelle on pourrait... Qui ça ne capote pour vous? Qui ça ne capote pour les États-Unis? Ça ne capote pour les États-Unis parce que aujourd'hui, les États-Unis apprennent jeune nous qui est allé dans le programme Biden. Les États-Unis, ils dit, parce que moi-même, pas vérifié, les États-Unis, c'est lui-même qui gagne contrôle pétrole, nous, qui gagne X, Y, Z. Mais moi, je t'ai bien aimé qu'on est qui ça, États-Unis, joue en Haïti, que le Kembe, la Russie pas qu'à venir, la Chine pas qu'à venir, personne pas qu'à venir, parce que c'est comme si c'est pour nous qu'à elle aille. Les États-Unis veulent avoir un système stable et économiquement propice pour tous. Et alors, dans ce contexte, avoir un état de droit, la transparence, la bonne gouvernance en Haïti, pour que les Haïtiens aient une Haïti. Les Haïtiens, ils aiment bien leur pays. C'est évident. C'est évident dans toutes mes expériences avec les Haïtiens de diaspora, aussi bien qu'ici. Et alors, pour nous, ce que c'est clé, c'est de pouvoir créer une Haïti dans un contexte créé avec la communauté internationale comme assistant, dans lequel les Haïtiens peuvent réussir pour eux-mêmes. Ils ont montré dans la diaspora, les Haïtiens, qu'ils sont très capables de pouvoir créer un monde propice et positif pour eux-mêmes. Et qu'ils puissent le faire ici en Haïti, c'est un objectif américain depuis très longtemps. Ce n'est pas simplement avec Haïti, c'est à travers le monde que nous espérons faire ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, à pouvoir fournir un environnement dans lequel les pays peuvent habiter ensemble à le bénéfice de tous. Alors pour nous, vous demandez quels seront les bénéfices pour les États-Unis? Ce n'est pas à l'instant. Nous, on dépense des sommes très, très grandes sur le plan humanitaire, le plan santé, maintenant la sécurité et d'autres que nous fournissons et nous voulons faire comme grand partenaire et ami d'Haïti. J'aimerais bien avoir une Haïti qui pourrait être en train d'assister de tels problèmes dans des autres zones. Une Haïti qui pourrait être un partenaire sur le plan international à avancer des intérêts communs. Pour ça, c'est le bagage que nous voulons voir et c'est pour ça que nous espérons voir des élections et la stabilité que nous pensons que la MSS, avec notre soutien et des autres partenaires, peut donner pour que Haïti pourrait être une meilleure lieu pour les Haïtiens, ensemble. Monsieur l'ambassadeur, on a l'hôpital général, le plus grand hôpital du pays. Ça fait 14 ans. L'hôpital est à terre. Bandi prend pays à nos mains, nous. Non. Et nan bab américain yo même pour aller moi même moi sorti nan ambassade américaine pour mal renouveler visa moi mais son côté qui vide alors que plus gros ambassade qui gagne plus l'argent qui dépense la caille nous maintenant moi connais
gen Navy Seals, gen ancien Marines, gen bagay Ameriken ka fè. Pou kont yo, yo a bezwen lòt moun. Pou kont yo, san Canada, san la France, san aucun lòt peyi, yo ka regle kesyon. Bon, pou ki sa nou va regle? À mon point de vue et le point de vue de l'administration américaine, et je crois que pour les, ceux qui sont objectifs dans cette discussion, c'est qu'il faut avoir une solution haïtienne. Une solution américaine unilatérale ne va jamais tenir d'elle-même. Il faut avoir une solution qui vraiment incorpore les différents acteurs haïtiens à travers le pays pour qu'il y ait un Haïti pour les Haïtiens qui réussissent. Et c'est ça notre objectif, mais je crois, pour l'unité internationale. Et on finisse le temps, mais je veux simplement dire qu'en fin de compte, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir revenir à une Haïti qui peut soutenir d'elle-même les nécessités mais, pour son peuple. Pour le contrat, en quelque sorte, un contrat social qui fait du sens. Mais ambassadeur, regardez, parce que vous sonnez qui très correct dans les médias en Haïti, il faut me dire ça tout. Ou tout moun kap suive ki ap tande nou. Mais kounya, la police pa ka utilize zam li sezi nan men bandi. La police pa ka utilize l'armée parce que les États-Unis d'Amérique pa vle. Ki kote ou bezwen Haïti pou kontenu la, pou le fè travay la? Se pays ou pa vle, yo pa vle ke nou pran bagay la en main pou n'achete zam, pou ki sa pays ou mette embargo sou Haïti. Pour ça, en fin de compte, moi, en effet, la position des États-Unis, c'est que nous voulons que les Haïtiens peuvent avancer de eux-mêmes avec le soutien, l'épaulement de la communauté internationale. Ça. Et alors, nous pourrons continuer avec les grandes assistances qu'on a fait depuis longtemps. Je connais bien que la. Moi, j'étais ici au commencement de ma carrière, 90-11. Je sais qu'Haïti peut être beaucoup différent, qu'Haïti a des raisons pour lesquelles elle pourrait avancer, moi, je crois, avec les conditions correctes, avancer, être un partenaire dans le plan international, qui pourrait vraiment être une force positive dans la sub-région, qu'elle a, comme elle a été dans son histoire, une force positive sur le plan historique et global. Alors, cette sorte de rôle, c'est quelque chose qu'Haïti a eu. Je crois qu'Haïti peut l'avoir dans l'avenir. Et nous, on continue notre travail ici à l'ambassade et avec le gouvernement pour faciliter ça, pas pour contrôler ça, pas pour dicter ça, pour être là comme grand ami à assister un pays qui a besoin d'assistance à l'instant pour qu'elle sorte de ça pour la dernière transition, à mon point de vue. Avec ça, m'a demandé pardon, mais il y a nécessité de bouger. Mais on peut-être pour, on pourrait en changer encore dans l'avenir. Nous qu'a fait plus de temps, on l'a. Moi, bien content que moi été ensemble avec vous. Mais on va soutenir Ariel toujours. Ce n'est pas un soutien à Ariel, c'est le peuple haïtien que nous soutenons. Nous, pas de candidat là-dedans. C'est une question de progresser avec les différents acteurs sur place à avancer, à avoir des élections. Je souligne, si je comprends bien, à maintes reprises, Ariel a dit que lui, il ne cherche pas à rester au pouvoir. Il ne veut pas parcourir une élection, qu'il y a des élections, que les Haïtiens choisissent leur avenir. C'est comme ça que les choses doivent avancer. C'est comme ça que la communauté internationale et les Américains veulent soutenir. C'est comme ça. Kembe Feb. Créole bon. Kembe Feb. M'a pensé, Makouma. Merci encore. Ok, Kembe Feb.